Salut, salut la communauté, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, toutefois que je partagerai une nouvelle vidéo, que vous soyez informé. Ok, aujourd'hui, je tenais à vous parler de quelques crèmes de visage que j'ai eu à utiliser. Et peut-être que ça va intéresser d'autres, ou bien d'autres aussi ont eu à utiliser une d'entre ces crèmes de visage. Je vais vous parler de ce que ça a fait sur mon visage. Et on va commencer avec cette crème de visage. On va commencer par les crèmes de visage neutres. Pour les personnes qui sont claires de nature, ou bien qui sont marron, qui ne veulent pas éclaircir, cette crème de visage est adaptée à ces personnes. Si vous voulez, c'est pour les personnes qui sont claires, qui veulent devenir claires. Si vous prenez cette crème de visage, il va falloir la mélanger avec certains tubes comme Apple Vert et consort pour que ça puisse donner le résultat que vous désirez. C'est la crème de visage Nivea Q10. Et cette crème de visage aide contre les rides et elle a une protection solaire de 15. Ça fait 50 ml. Je l'avais utilisé mais j'ai mis mon truc. Voilà pourquoi ça c'est ma crème moi-même que j'avais faite. Donc cette crème de visage est très c'est pour tout type de peau. Elle est très légère. Si vous appliquez sur votre visage, ça va atténuer aussi les bobos du visage et puis c'est très bien pour les rides. En journée, vous pouvez l'utiliser sans problème parce que il y a le truc solaire qui est à l'intérieur. Ok. Et que vais-je dire de plus? J'ai aimé. Très bien. Et on laisse cette crème de visage, on va venir sur celle-ci. Ça c'est la crème de visage Diadema et à base de carotte. Et c'est une crème de visage qu'on peut utiliser dans la journée et dans la nuit aussi. C'est pour tout type de peau. Et elle tonifie le visage. Et vous savez tous ce que la bêta-carotène fait. C'est très pour les personnes qui veulent éclaircir naturellement. Cette crème de visage est aussi très. Elle est douce. Quand tu appliques ça, ça pénètre. Elle est légère aussi. Et ça pénètre efficacement. Et d'ici 2-3 semaines, tu commences à voir que ton visage a un autre éclat par rapport voilà, ça donne de l'éclat à ton visage mais ça ne va pas t'éclaircir, mais ça va pas aussi te donner des boutons, ça donne pas de boutons. Voilà, je l'avais utilisé et puis j'ai pris ça aussi, mais elle est un peu grasse, donc pour les personnes qui ont du sébum, un visage gras, vous pouvez utiliser 2-3 jours et vous verrez de vous-même si ça ne vous convient pas, vous laissez. Comme vous pouvez aussi mélanger avec d'autres trucs pour donner plus d'efficacité. Parce que c'est pour tout type de peau, donc ça veut dire qu'elle n'est pas éclaircissante. Et vous pouvez l'avoir partout, je crois. Dans les boutiques de cosmétiques, même en Afrique. Vous pouvez l'avoir, ça va venir vous protéger contre les rayons solaires. Ok, une autre crème de visage que j'ai eu à utiliser auparavant, je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà connu, mais c'est celle-là, Glutas A et C, Glutathione plus vitamine C avec Kojic plus Whitening System. Ça contient aussi 30% de trucs crème solaire. Donc en journée, vous pouvez aussi l'utiliser sans problème.
pour la face et le cou. Et on dit ici que ça éclaircit 4 fois et le visage, la peau. Mais non, elle est légère aussi, elle est très légère. Quand vous appliquez, vous sentez, ça pénètre rapidement et ça ne rend pas le visage huileux. C'est une crème de visage anti-acné, venir hydrater et bien pénétrer la peau. C'est un anti-âge. J'ai fini, je l'ai utilisé, ça vaut 2 ans. Mais moi je ne l'avais pas mélangé, je l'ai utilisé, bon, ça n'a pas clairci mon visage comme je le voulais, mais ça ne m'a pas aussi laissé des imperfections sur le visage. Non, ça ne m'a pas laissé des boutons, ça m'a, au contraire, ça a donné de l'éclat à mon visage. Donc pour les personnes qui ne désirent pas clairci, d'autres qui claircissent sur le corps et puis le visage ne claircit pas, si vous prenez ça, ça va venir ajuster, ça va venir corriger pour uniformiser seulement. Mais si vous mélangez aussi avec par exemple le concentré à santé qui est fait pour le visage, vous mélangez ça. Ou bien vous mélangez, bon, avec une huile non, parce que ça va vous rendre le visage gras. Et, ou bien vous mélangez avec un autre tube qui est adapté pour le visage. Là, ça va plus éclaircir votre visage. Sinon, ils ont mis comme ça, mais ce n'est pas 4 fois plus éclaircissant là, non. Je vais dire que c'est 1 fois. Ça va une teinte seulement. Si ça trop éclaircit, c'est que c'est deux teintes. Hormis ça, non. Voilà. Et ça fait 50 ml aussi. C'est bon, ça dure, ça sent bon aussi. Et ça va, en tout cas, ça va vous donner, vous allez aimer. Pour les gens qui ne veulent pas claircir, vous allez aimer la texture. Pour les gens qui veulent claircir et mélanger, et puis vous allez aussi aimer. Voilà. Et après cette crème de visage, on va parler de ça. Diana, c'est ça comme ça, de rougeur, je crois qu'il voulait écrire, mais c'est une faute. Genre, quand vous sortez trop sur le soleil et que vous avez les taches, le visage rougit, vous enlevez et vous appliquez sur la partie, ça va atténuer les rougeurs du visage. Une crème, c'est arabe, mais elle sent pas du tout bon. Voilà, je l'avais utilisé. Voilà, à cause de son odeur, je l'ai arrêté. Mais sinon, si vous sentez que vous avez pris un coup de soleil, en tout cas, vous mettez 2-3 jours, en tout cas, la partie là, vous allez voir que les rougeurs là vont vraiment s'estomper. Genre, si les gens ici qui rougissent de paupières, des yeux, partout ça rougit parce que vous êtes sous le soin. Si vous avez Diana, mais elle est grasse. Mais quand vous allez mettre et puis masser bien, ça va pénétrer et puis donc je ne vous conseille pas de l'appliquer sur tout votre visage parce qu'elle est très grasse, elle peut vous laisser des boutons, mais ciblez seulement les parties où c'est rouge. Si c'est le nez, ici aussi souvent avec la neige ou bien le froid, quand tu sors souvent le nez rougit ou bien le visage, les pommettes la rougissent, vous pouvez enlever pour appliquer 2-3 jours et puis vous allez voir que les rougeurs vont disparaître. Ou bien si vous vous rasez par exemple et puis après, parce que souvent quand on éclaircit beaucoup, ici les poils la sortent, donc les moustaches, donc si vous vous rasez et que ça vous laisse des rougeurs, vous pouvez appliquer pour atténuer ces rougeurs. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la chercher et puis vous l'utilisez aussi comme je dis. Maintenant, on va passer sur les crèmes de visage qui sont vraiment efficaces, qui tient bien le visage, qui corrigent bien les imperfections du visage. Et même si vous la mélangez ou pas, c'est cette crème-là, crème noire spécifique, Stop Kento. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur les Kento et sur les poudres. Et tout, c'est une crème anti-fard,
anti-rides et anti-taches. Vraiment, c'est pas fou. Ça ne ment pas. Hein. Parce que ça va, si vous avez des boutons et que les boutons là ont laissé des taches, ça va venir enlever vos taches de boutons. Et ça va venir vous enlever les boutons, même sans la mélanger. Elle est très efficace. Les ingrédients de base sont base de crème, AHA, salicylique acide, tocopherol qui est de la vitamine E et parfum. Donc, à cause du salicylique acide et des acides au AHA, là, ça fait vraiment le travail. Je l'utilise en ce moment aussi. Je l'ai utilisé pour pouvoir faire une revue. Et ça sent tellement bon, ça pénètre rapidement le visage et ça ne vous laissera pas de boutons. Non, ça va venir corriger vos boutons. Les points noirs, les gens qui ont les pores ouverts, hein, vos pores sont ouverts et puis ça laisse les trous là, ça va venir corriger tous ces trous. Les points noirs qui sont là, le nez qui gras ou les trucs blancs là sortent, ça va venir tout faire partir. Ça va venir corriger votre visage. Et les taches noires aussi vont partir. Ça va venir éclaircir au fur et à mesure. Je n'ai pas fini de l'utiliser. Mais déjà, je suis très très satisfaite. Très satisfaite. Ça va venir corriger vos imperfections en tout cas. Vous éclaircir doucement, ça ne va pas vous agresser, ça ne va pas vous donner des rougeurs, non. Au contraire, ça va venir effacer tout doucement les fards du visage et les rougeurs aussi. C'est une crème, celle-là, elle corrige, elle enlève tout ce qui est sur le visage en tout cas. Voilà, donc si vous pouvez l'avoir, moi je la vends aussi. Si vous pouvez l'avoir, n'hésitez pas. De la payer en deux semaines, à partir de la deuxième semaine, vous viendrez même me dire comment ça va, vous serez content de votre visage. Content parce qu'il y a des hommes aussi qui regardent peut-être, ils sont contents. Ok, on va parler de celle-ci là aussi. Elle est très 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 efficace, grâce duo, 100% action. Avec l'huile d'argan et la crème grasse à l'huile d'argan quotidiennement sur le visage et les autres parties concernées du corps, à un visage sensuel et un corps sans taches et sans boutons. La crème qui est exfoliante aussi et il y a de la bave d'escargot aussi. Cette crème là, c'est deux. Les deux en un. Voilà, avec sa petite lotion. C'est une huile, mais c'est comme une lotion. Voilà. Donc, si vous prenez, vous pouvez diviser la crème en deux et vous ajoutez la petite huile là à l'intérieur pour l'utiliser. C'est un anti-comédon, les petits boutons noirs qui sortent quand vous prenez une. Pour moi, si ça m'a, en tout cas, ça me fait, je prends du coco buteur, en tout cas, ça me laisse les petits points noirs, les petits boutons noirs qui sont durs. Les comédons, pour ceux qui ne savent pas, d'autres ont ça sur les visages, sur le visage aussi. Donc, ça va venir estomper ces comédons. Et l'acné aussi, les rasages, quand vous rasez le visage, et puis ça laisse aussi souvent des traces. Des coudes et des fesses, vous pouvez aussi faire sur les coudes et puis sur les fesses. Masque de grossesse, ça va faire partie des masques de grossesse, le sébum, la graisse du visage, à cause de cette petite lotion. Et c'est pas fou. J'ai eu une amie qui est venue, elle avait voyagé, elle est revenue, elle a pris des coups de soleil, dans son visage avait bien noirci. Elle est venue, je lui ai donné ça, elle allait utiliser. Quand on s'est revu, son visage était devenu plus net qu'avant. Et le coup de soleil qu'elle avait pris, les fards qu'elle avait laissés, les fards sont partis. Et je n'ai vu aucun bouton sur son visage.
Son visage était devenu plus lisse même d'ailleurs, et plus éclatant, et plus joli aussi. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle n'est pas aussi chère aussi, et moi aussi je la vends. Pour celles qui sont... qui seront intéressés, je vais laisser des liens si je n'oublie pas. Vous allez cliquer et puis vous pourrez avoir ça. Donc, c'était ces 6 crèmes de visage dont je voulais vous parler, que moi j'ai eu à utiliser et qui m'ont plu. D'autres classissent, d'autres ne classissent pas. Et les meilleurs en tout cas, c'est ces deux-là. Les deux là en tout cas vous n'allez pas taper poteau avec ça. Et celle là aussi que je conseille pas de mettre sur tout votre visage, sauf sur vos rougeurs, ça va venir vraiment et balayer ces rougeurs là. Et ça elle est bien aussi si vous mélangez, si vous ne mélangez pas aussi et que vous utilisez comme ça, c'est que c'est ce teint là que vous voulez obtenir. Sinon son nom est gros pour rien en fait. Vous les mincez, vous ne mélangez pas, ça va pas vous donner des boutons, ça va rien, ça va pas gâter votre visage, mais ça va pas l'éclaircir. Comme on le dit sur la boîte en fait. Ok, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait plaisir de vous lire de temps en temps. Et n'hésitez pas aussi à chercher, à utiliser pour faire vous-même votre propre expérience. Vu que c'est vrai que les peaux ne sont pas pareilles. Mais moi, en tout cas, je les ai aimées. Je les ai aimées. Celles que j'ai plus aimées, ce sont les 3 dont je parlais là. Mais les autres aussi ne sont pas mal. Elles sont pas mal. Ça peut aller à d'autres personnes. Ça peut classer d'autres personnes. Mais non, ça me... sans mélange, ça m'a pas de... moi ça m'a pas donné ce que je voulais sans mélange quoi. Ok, on se reprend une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et merci de m'avoir suivi et bye bye.